Bonjour chers téléspectateurs, je suis heureux de vous saluer sur notre chaîne, c'est Alexandre Soudarev comme toujours et dans cette vidéo nous essayerons de changer un petit peu le format de notre communication et nous ferons des commentaires en voix off des processus qui ont lieu sur le site de construction de Sevelmash. Commençons. Il y a beaucoup de travail. Tout va à pleine voile, les ouvriers savent ce qu'il faut faire et chacun remplit sa tâche. Nous voyons que le montage des constructions en métal du futur bâtiment administratif et technique a commencé. On peut voir que la construction se sépare de la partie principale et entre le bâtiment administratif et technique et la partie industrielle et d'essai, il y a une rupture par feu qui assurera la sécurité des employés futurs au cours de leur travail. Il faut dire qu'il y a la même rupture entre l'entrepôt et la partie industrielle et d'essai. Nous voyons que les travaux continuent, il y en a vraiment beaucoup. L'un des exemples, c'est la volée d'escalier à l'extrémité qui a déjà l'ouverture vers le toit et on peut passer sur le toit à travers cette volée. Les autres volées d'escalier, c'est idem. On assemble des armatures ou bien on met des coffrages temporaires. Et il y a des travaux préparatoires pour la coulée du béton. Et si on parle de la toiture, regardez bien, dans les vidéos précédentes, on vous a montré le travail actif qui concerne la mise de toiture dans la partie d'entrepôt. Et maintenant, on peut voir que cela concerne maintenant la partie industrielle et d'essai. Regardez bien qu'au deuxième étage, bon, parfois c'est le premier étage, cela dépend de la partie du bâtiment, les plafonds sont très hauts. Il y a beaucoup d'espace libre de travail qui permettra de réaliser toutes les tâches que les employés du bureau d'études auront. Cela a vraiment l'air grandiose. Et on revient au rez-de-chaussée, on voit que les travaux concernant le sol continuent. Il y a le blasting du sol, sa sélection et l'installation du système de canalisation avec la vérification de certaines parties de ce système pour voir si elles sont étanches ou pas. On voit également le déchargement du camion qui a apporté la mèche d'armature et d'autres éléments pour commencer les travaux pour couler les planchers en béton et le plancher lui-même. Cela prendra beaucoup de temps, cela sera spectaculaire, cela sera des travaux à l'échelle. On fera le travail par grande section avec l'utilisation d'une pompe à béton. Regardez aussi qu'au niveau du rez-de-chaussée, on a déjà mis beaucoup de dalles de sous-sol. Le bâtiment a déjà son contour et presque toutes les dalles sont déjà à leur place. Il y a beaucoup de travail qui concerne les fosses, mais pour la plupart, ce travail touche à sa fin. Il y a les travaux d'étanchéité, etc. L'entrepôt où avant, on entreposait une quantité énorme de constructions en métal est maintenant vide. Et très prochainement, je pense qu'il sera rempli d'éléments d'étanchéité et de construction de barrières. C'est ça, les informations brèves, un petit tour du site de construction. Écrivez ce que vous pensez de ce format de transfert d'informations, si vous l'aimez ou pas, et si vous voulez peut-être diversifier le format de nos vidéos. Laissez vos commentaires, suivez nos actualités, nous allons vous informer de toutes les actualités, de tout ce qui se passe sur le site de construction. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.